attention, elle sort pas. Tout est cassé. Yo les gars, bon ça y est, je suis arrivé. Je suis dans le... Je suis dans, regarde. Bam. Présent avec Olive, il est là. Salut, salut. On est là, on est là. Présent. Mets du son un petit peu. Et on est parti, on va quitter l'aéroport. Qui trouve la sortie? S'il trouve la sortie, parce que... Le repérage, c'est pas mon... Je peux vous dire, c'est un as du repérage. On en parlera plus tard. Les gars, ça y est, on est arrivé sur le premier spot d'Olivier là. C'est un petit parc, enfin un petit parc, un grand parc, et qui donne direct sur la Columbia River. Et bon, je vais pas vous faire languir plus que ça, et je vais vous faire voir un petit peu les spots. Regardez-moi ce bonheur. Alors Olivier, qu'est-ce que ça dit le patron, qu'est-ce qu'il en dit là? Non, elle est belle l'eau. Elle est pas mal l'eau? Ouais, elle est bien. Ouais, c'est un... Oh non, c'est bien. C'est un bon spot ça. Donc voilà. Voilà le... C'est un bon spot. Des terrains de jeu. Pour les trois premiers jours là. Vous voyez... Bah, y a de la flotte quoi. L'eau elle est bien claire. Olive lui il connaît, donc c'est pour ça que je le laisse observer. Lui voilà, d'après ce qu'il m'expliquait, en fonction de la couleur de l'eau, etc., le niveau de l'eau, tout ça, ça lui permet déjà de voir s'il le sent bien ou pas. Donc là je le laisse repérer. S'il sent bien, on reste là et on tente. Sinon, on bouge direct sur un autre secteur. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, là, il le sent pas trop mal, quoi. Donc, on va retourner le voir. En tout cas, les frérots, je peux vous dire, je suis à bloc. Et j'espère que ça va donner. J'ai hâte, là, de tendre les lignes. Et j'espère qu'on va sortir de la carpe américaine un petit peu. Bon les gars, donc il est quelle heure là? Il est 3h26. Comme vous voyez, voilà. 15h30. Bon, Olivier il est juste à côté. Et bon, allez, ça pêche depuis 13h. Donc 2h de pêche. Bon, moi qui suis pêcheur français, vous le savez tous, hein, les gars. Nous, 2h sans aucune touche. Ça nous inquiète pas trop les frérots. Par contre pour le mec qui est à côté de moi, lui il s'inquiète lui. Parce que pour lui, 2 heures sans voir de tape sur les sions, surtout comme il m'expliquait. En fait ici si vous voulez, il se fixe beaucoup Olivier sur la présence de poissons fourrage, du bait fish qui passe et qui touche les fils et puis qui vient taper dans l'amorce en fait qui est sur les plombs, sur les montages inline que je vous présenterai tout à l'heure.
Et ça, ça lui indique bah, déjà en fait prioritairement si, s'il y a déjà du poisson de passage, etc. Donc si la zone elle est active ni plus ni moins. Et là, en 2 heures, on a eu 2 tapes sur mes cannes et vraiment de la petite tape, hein. On parle pas de grosses baffes sur les sions. Donc pour lui, clairement, il me dit que voilà, c'est pas bon signe. Maintenant, ça reste de la pêche. Comme je le dis tout le temps, il n'y a pas de science exacte. Donc ça peut très bien s'activer à un moment donné. Et puis dans tous les cas, c'est notre premier jour de pêche. Donc on va insister là jusqu'à ce soir, avant de bouger. Et puis en espérant qu'on fasse un poisson avant de partir ce soir, ça serait déjà bien de faire de décapoter aujourd'hui. Ça mettrait en confiance tout le monde. Et puis après, la question qui va se poser, c'est ce qu'on va faire pour le deuxième jour. Est-ce qu'on bouge complètement de poste? Est-ce qu'on va amorcer un poste ce soir au préalable pour que demain matin on soit confiant et puis de permettre de voir si ça change les choses, de faire un petit préamorçage? Voilà, toutes ces questions, on va se poser ça ce soir en fonction du résultat de l'après-midi. Et puis voilà, dans tous les cas, vous avez vu le paysage, il est magnifique. On a un temps d'enfer. Je suis torse nu, donc je peux pas me plaindre. Je suis au paradis, les gars. Donc, je vous dis à tout à l'heure et on va se brancher. Let's go. Bon, les gars, donc on est le deuxième jour. Je parle pas trop fort parce qu'il y a Olivier qui dort. Dans l'autre chambre. J'ai pas filmé hier soir parce que j'étais explosé, mort de fatigue. Je pense que j'ai le contre-coup du décalage horaire. Ah putain, là je suis explosé le soir quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé. Donc hier soir on est arrivé assez tard, vers 10h30 à peu près. Et puis en fait on est rentré tard hier tout simplement parce qu'on a été reconnaître des coins. Étant donné qu'hier la rivière était complètement sur off. Olivier me l'a confirmé, pour lui c'est très mauvais signe. Il a jamais vu ça sur la Columbia River. Il m'a dit écoute, il faut bouger, il faut trouver autre chose. Donc on a été repérer des coins. Il y en a quelques-uns qui nous ont plu. Et puis on a décidé de partir sur un secteur qu'Olivier a déjà pêché l'année précédente et où il a déjà fait du poisson. Donc on va essayer ça ce matin, c'est pour ça qu'on va décoller de bonne heure, comme ça va nous faire une bonne matinée de pêche, et puis on croise les doigts pour essayer de trouver le poisson quoi, parce que ouais, là ça s'annonce compliqué, comme d'habitude, hein. Vous partez en voyage de pêche et vous tombez jamais à la bonne période, ça c'est le quotidien du pêcheur qui voyage, c'est la vie ça, mais bon, on va se démerder et il faut qu'on trouve le poisson, il n'y a pas moyen quoi. Je veux ma carpe américaine. On va aller se prendre un petit café, on va se prendre un petit déj. Et direction au bord de l'eau. De toute façon, tout est prêt dans la bagnole. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus comment on pêche. L'amorce, les montages, etc. Vous verrez, c'est très très simple. C'est une pêche que j'affectionne. Simplicité et efficacité, quoi. On se prend pas la tête. Poisson de fleuve. Donc il n'y a pas besoin de sortir des montages de l'espace. Donc je vous dis. Donc je vous dis à tout à l'heure, et let's go. Bon bah les gars, voilà, donc on est installé sur le nouveau poste.
comme vous avez pu le voir. Spot encore très très sauvage, super joli quoi. Vraiment là, on est dans un petit contrebas là. Plage avec une petite plage de galets, gravier, cailloux, etc. Là, c'est vraiment un milieu très, enfin, très très rocailleux, encore plus que le spot d'hier. Avec un pont donc qui est juste au-dessus de nous. Et puis après, on se retrouve avec un joli virage et puis bah, la rivière qui s'élargit encore plus en contrebas. Donc le spot, hein, comme on dit, le spot, il est carpi quoi. Il sent un petit peu, il sent la carpe. Donc j'espère que ça va donner. En tout cas, on va mettre tout en œuvre avec Olive pour essayer de sortir notre épingle du jeu aujourd'hui. On a repréparé l'amorce. Et puis là, il est parti rechercher du matos qu'il avait zappé hier. Donc je l'attends. En tout cas, moi, j'ai préparé tout le matos. Donc il n'y a plus qu'à. Prêt à faire le fire, les frérots. Et putain, il faut que ça déroule, les gars. Il faut que ça déroule. Je veux entendre le carbone plier, les gars. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon visionnage. Et j'espère que le day 2, il va envoyer la cam. Let's go! Américaine chez Olivier. Qu'est-ce qu'elle fait plaisir celle-là, parce que on a tellement galéré depuis le début du séjour. Enfin, ça paye, comme quoi faut rien lâcher. Et là, ça commençait à être dur pour le moral. Donc, elle fait bien plaisir, effectivement. Run de l'espace. Ah, il n'y a pas de pipe annonciateur, hein. Ça part cash. Regardez-moi la beauté de ce fish, une belle saucisse, franchement. Et j'ai bien fait de changer de montage. Depuis le début, là, on pêche avec deux petites billes de 15, les fruits et la coco. Et puis donc là, j'avais décidé de changer totalement de montage. Olivier avait des petites pop-up qui lui restaient. Donc j'ai mis une petite pop-up de 15 mm, rose, bien décollée de 2-3 cm du fond. Toujours avec le petit goût fruité là, parce que c'est ce qu'on utilise pour l'amorçage. Et voilà, bah, la canne, elle a fait allez, une heure et demie, je pense. Et le résultat, il est là. Donc ça fait super plaisir. Je remercie Olive pour les bons conseils et surtout, on espère que ça soit le début d'un petit festival, ça ferait plaisir. Allez, un petit bisou et on va la remettre à l'eau. Thank you.
coup là. Ben voilà, hein. Bon, on a travaillé dur pour ces poissons, c'est pas un monstre, mais bon, vraiment, Lou pourra vous dire que c'était dur. Elle va repartir chez elle. Et voilà. Columbia River Carping. Bon bah les gars, il est 21h. Donc bah vous l'avez vu, Olivier vient de prendre sa carpe. Ouais. Ah ça fait plaisir hein. Ouais, c'est difficile hein. Et c'est sa première carpe du séjour et sa première carpe depuis ouais. Depuis deux semaines. Ouais. J'avais pas pêché depuis deux c'est semaines. C'est ça quoi. Il y a deux semaines et c'est ça galère. Hein. On va pas le répéter tout le truc mais ça galère. Quoi. Ça galère de ouf ouais. Mm-hmm. Donc là, deux poissons aujourd'hui, alors ça reste, oui, misérable pour ici, mais au vu de ce qu'on endure... C'est bien. Ouais, on est content. Voilà. On est content. Ça reste deux poissons. Le poids, la taille, ouais. L'effort est récompensé parce que franchement, on pêche, on n'est pas en train de dormir. Ça ouais. Pêche. C'est clair. Voilà, quoi. Ça, retendre les lignes quasiment toutes les 20-25 minutes, ouais. Refaire les boules d'appât, tout ça. Ouais, c'est du taf, hein. C'est une pêche active quoi, c'est pas la pêche de la carpe classique où les montages restent 24 heures dans l'eau, ouais, c'est pas du tout ça. Donc effectivement voilà, quand même content d'avoir fait ces deux poissons, ça déjà moralement bah, ça fait du bien de voir un petit peu d'écaille et puis ça lance un petit peu mieux le séjour quoi. On est que le deuxième jour, donc c'est déjà beaucoup mieux qu'hier. Hier, même pas un départ, donc bah, on pouvait pas faire pire. Même pas de tape, hier. Aujourd'hui, on a vu beaucoup d'activités, comme on a dit auparavant. Une vingtaine, voire 25 poissons au moins sautés. Ouais. Sur le poste, hein, carrément sur le poste. Ouais. Et pas moyen d'en attraper une, quoi. Pas moyen d'avoir un départ. Donc, c'est alors qu'elles sont là. Plus frustrant quand tu les vois et que tu peux pas les attraper. Oui, parce qu'hier, c'était ça. Ah, on voyait rien. Hier, il n'y avait pas de saut, il n'y avait pas de tape sur les donc, sur les sions. Ouais. Bon, entre guillemets, c'est comme ça. Mais là, depuis ce matin, ça sautait, quoi. Ouais. Et pile, enfin, comme dit Olivier, pile sur le coin qu'on pêche, quoi. Sur le spot amorcé, tout ça. Donc, c'est encore plus rageant, quoi. Donc là, ouais, non, franchement, elle fait du bien. Donc, de toute façon, là, il nous reste encore quelques heures de pêche, là. On va faire le coup du soir. Afin de voir si ça déclenche peut-être d'autres poissons. En fait, on va voir, hein, si c'est un poisson isolé pour Olivier, ou si jamais bah, moi ou lui on en refait une, deux, bon là ça vaut peut-être le coup de rester quoi, encore un petit peu plus tard. Bon, tu parles de ce soir ? Ouais. Bah, ce soir de toute façon ouais, je et crois qu'on va rester un peu calé là. Hein. C'est ça. Hein. On a et, pas puis, trop le choix. Et puis on voit quoi. Hein. Ouais, ouais. Si on voit que ça donne rien, bon bah voilà, ça sert à rien de rester jusqu'à 3h du matin. Mais à l'inverse, voilà. Peut-être que ça peut-être nous permettre de retoucher quelques fiches. À voir. Donc, on change pas la pêche. On reste sur ce qu'on a dit. Et puis après, bah, la question, ça va être pour demain matin. Toujours la même question. Toujours. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Voilà. Ben, moi, ce que j'avais pensé, on a discuté parce qu'on a eu le temps de discuter. Ouais. C'est de... Il y a un poste que j'ai jamais pêché, qui est derrière une décharge. D'eau chaude, donc qui attire pas mal de poissons parce que l'eau est encore fraîche ici. Hein. On a quand même une eau encore fraîche, hein, malgré que c'est pas froid, mais c'est quand même une eau fraîche. Et c'est un poste super sauvage, ça n'a rien à voir avec ici. C'est toujours la Columbia. Et je me disais, je l'ai jamais tenté. Aurélien, il est là. C'est l'occasion. Et ben, c'est un peu l'occasion, il est costaud, il y a du matos à porter, il y a un peu d'escalade et tout ça. Bon, ben, il peut m'aider. C'est clair. On peut s'aider, on c'est l'occasion de le faire. Et je pense que j'aimerais bien miser là-dessus. C'est pas parce qu'on fait deux poissons qu'on devrait rester, ouais. S'arrêter sur ce poste. Hein. C'est pas assez. Il y a beaucoup de postes, il y a beaucoup de fleuves. Je veux dire, on va essayer demain cette histoire. Hein. Donc voilà. Donc à voir les amis. Donc bah nous, on va vous laisser sur ça. On va terminer la petite soirée ici. Et puis si jamais on rallume l'appareil. Bah, c'est qu'il y a eu fiche les frérots. Allez, bonne soirée à vous. Oh là là, bah attends, pourquoi pas.
Bon, premier run, Olive. Ouais. Non. Premier fait. Putain, le run pour la taille du fish, hallucinant. Oh, c'est décroché. Oh, putain. Merde. Ouais. C'est une petite, ça va. Bon, à départ rapide. Ça va, ouais. Ça va, ça met déjà en confiance. Il y a du poisson. Bon bah les gars, donc voilà, donc Olive a eu un premier départ là. Donc ça fait allez un petit peu moins d'une heure qu'on est en pêche. Et premier départ pour lui, donc c'est déjà cool. Espérons que ça soit de bon augure. Lorsqu'on est arrivé sur ce poste là, on a vu du poisson actif, sans amorçage. Donc ça c'est différent des autres postes qu'on a fréquentés les deux premiers jours. Puisque hier on avait des sauts, mais c'était une fois qu'on avait fait l'amorçage. Là c'est différent, aujourd'hui on est arrivé, ça sautait déjà. Et ça sautait même vraiment pas mal, environ allez, une petite dizaine de fiches qu'on a vues. On va essayer de faire le taf aujourd'hui, pour essayer de rattraper le retard. Allez, à tout à l'heure. Bon bah deuxième fiche pour Olive. Deuxième départ là, ça a l'air un petit peu plus sérieux. En tout cas, beau run. Les gars, je vous explique un petit peu comment Olive il attaque cette pêche vis-à-vis de son amorçage. Alors lui, il faut savoir qu'il pêche la carpe d'une manière totalement différente de ce qu'on peut pratiquer en France, puisqu'en France, voilà, c'est des amorçages à la bille, on place nos lignes, on a tendance à les laisser poser un certain temps, parfois même parfois ça nous arrive de laisser les cannes pendant 5 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, même certains laissent les cannes pendant plus de 24 heures. Lui, c'est totalement différent. Lui, c'est vraiment une pêche de la carpe à la batterie, mais c'est une pêche de la carpe très très active. C'est-à-dire que lui, il pratique la pêche de la carpe à la batterie, mais il fait un mix avec une pêche au feeder. Lui, il crée une mixture, donc c'est comme un méthode mix, et en fait, il met ça sur son plomb, il met son appât, et il lance sur le spot choisi. Et ça, il va le réitérer à peu près toutes les 20, entre 20 et 30 minutes. Il relève ses cannes, il remet une boule de méthode et il renvoie. Et il fait ça toute la journée. Donc, c'est une pêche qui est très très active. C'est vraiment complètement opposé à ce qu'on peut faire en France et c'est même ce que moi je fais en France. Et du coup, ça lui fait, au bout d'un certain temps, il a une zone qui devient très très attractive. Et puis bah, sa zone, forcément, elle est amorcée petit à petit. Donc il pratique pas un gros amorçage d'entrée de jeu. Il arrive, il balance un petit peu de maïs, un petit peu de billes, et puis c'est tout. Et ensuite, le fait de relancer ses cannes régulièrement toutes les 20-30 minutes, bah, en fait, au bout de plusieurs heures, il a une zone qui va être amorcée. Et en plus, avec de la particule, et donc c'est pas des choses qui vont avoir tendance à gaver le poisson. Et des résultats qui vont découler de cette stratégie, après, il voit ce qu'il fait. Soit il fait un amorçage un petit peu plus massif avec un petit peu plus de billes et de matière solide. S'il voit que les touches commencent à s'accélérer et que le poisson commence à rentrer sur le coup,
Et à l'inverse, s'il voit que les touches, bah en fait, elles augmentent pas, voire il a pas de touche, et ben il reste avec ce système de boules de farine sur son plomb. Et voilà, il essaie de faire venir le poisson comme ça. Alors la base de son méthode mix, c'est tout d'abord une base de flocons d'avoine. Ensuite, on va trouver du maïs. Alors c'est du maïs doux. De la crème de maïs. Alors ça, en France, c'est difficile d'en trouver. Donc moi, je vais essayer. Je pense qu'en mixant du maïs doux, je pense qu'on arrive sensiblement au même résultat. Donc c'est à tester, mais c'est de la crème de maïs. Alors à voir si on trouve ça en France, mais je ne crois pas. Ensuite, un petit peu de farine de blé. Il rajoute également du flocon d'avoine, mais avec un diamètre un petit peu plus petit, puisqu'on va avoir du flocon d'avoine avec du gros diamètre et du flocon d'avoine avec du petit diamètre. Et surtout, il n'utilise pas d'eau. Donc il laisse vraiment gonfler cette mixture avec le maïs et la crème de maïs. Et c'est ça qui va faire gonfler la graine et lui donner cet aspect collant. Et après, il rajoute à peu près une poignée de billes, coupées en deux, en trois, et il mélange tout ça. Il laisse bien gonfler toute sa méthode, et donc en règle générale, le temps de préparer son matériel, son amorce, elle est quasiment prête. Bon les frérots, on a un temps de malade. Je sais pas si le son est bon. En tout cas, vous voyez, derrière moi, j'ai les branches de l'arbre au-dessus. On a un vent de malade, c'est la guerre ici. Bon, ça déroulait pas sur le premier spot. Et Olivier a décidé de m'emmener dans une petite baie. Donc en fait, c'est toujours la Columbia River. Et c'est une petite baie en fait. Ça fait un tout petit renfoncement. Le vent, il s'engouffre. Et donc il m'a dit, viens ici. Je sais que de temps en temps, quand il y a du vent et tout, le poisson parfois rentre là-dedans. Là, on est en train de vivre un truc. Mais vraiment, on vit un truc épique, les gars. J'ai Olivier qui est en plein combat. Donc on va essayer de vous faire vivre ça du mieux possible. Je remets mes deux cannes et vous allez voir. Let's go. Olive a un doublé. On est désolé, on peut pas tout filmer. Hein. Parce que là, on a déjà du mal à gérer le départ. Allez Olive. Deux cannes sont à l'eau. Thank you.
J'arrive. Olive a un doublé, je vais le voir. Parce que demain, ça pourrait être cool de faire un... C'est ça les frérots, qu'Olivier l'appelle River Madness. Bah les gars, voilà, merci Olive, j'ai ma première carpe sur la Snake River et voilà, encore une super commune, taillée pour le combat, taillée pour la course, bonheur, un putain de rush et ce poisson, bah on l'a attendu, hein. Il est environ 18h, on est là depuis 8h ce matin et pas un seul départ, c'est le premier run. Donc je peux vous dire que ça là elle fait vraiment du bien. Parce qu'après les jours de misère qu'on se tape là, bah, chaque poisson est compté. Donc là on concrétise. Et putain ça redonne un petit peu le sourire. Donc super. Et on va essayer, bah, pourquoi pas peut-être d'en faire encore une autre. Mais déjà. Ah là là, ça fait plaisir. Deuxième fiche de la Snake. Bon, bah, pêche difficile. Hein. Vous voyez, pas des gros poissons. Super dur. Enfin, voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. On est là pour kiffer. Et c'est ce que la nature nous donne tout de suite. Et ben voilà, on fait avec. Et on est content. Du bijou. Voilà. De l'autre côté, ouais. Dorsale de ouf. Voilà. Hop là. Productions.
Yo les gars, bon, eh bien voilà, on est donc samedi, déjà samedi, bientôt la semaine qui touche à sa fin déjà, c'est passé super vite avec William. Donc là, bah, on est posé dans le désert, on est resté fidèle au plan d'attaque entre guillemets qu'Olivier avait préparé. On devait terminer la pêche dans le désert, donc on termine dans le désert. Malgré que, on va pas vous mentir, on est moyennement confiant. Hein. Olivier sait très bien que si on n'a pas touché de fiche sur les secteurs sur lesquels on a débuté en début de semaine, il l'a encore dit tout à l'heure sur le trajet, ça va être compliqué de faire un poisson ici. Maintenant ça reste de la pêche. Voilà. Maintenant, j'en sais rien, c'est juste que là-haut, c'est vraiment ce que j'appelle le carp heaven, tu vois, c'est le paradis de la carpe, c'est ces endroits où il y a des carpes plus qu'il en faut, et ça a été très difficile, comme Lou vous a dit. Et là, on est sur des endroits où il y a un peu moins de poissons, bien sûr, il y a quand même du potentiel, attention, hein. Il y a moins de poissons, et la Columbia change, de secteur en secteur, c'est pas la même, il y a trop de facteurs. Donc on va essayer, moi j'en sais rien, comme je dis tout le temps, je suis pas sous l'eau. Hein, tu peux connaître bien le fleuve, mais t'es pas sous l'eau. Tant que les cannes sont dans l'eau, ça pêche. On a toujours espoir, on est là, on est posé, on est tranquille, là je me fais impliquer, on va discuter. C'est la dernière journée, on va faire ça tranquillement, maintenant en espérant qu'un poisson suffit. Ouais. Un poisson, voilà, ici, surtout ici. Ah bah oui, après tu leur montreras le décor ici, c'est un truc que t'as jamais vu. Hein. Le décor, il est ouf. C'est pas possible. Ouais, ça, surtout que là, elles n'ont pas pondu, tu vois. Ouais. Elles n'ont pas frayé encore ici, vraiment. Donc, on peut faire un poisson. Parce que moi, j'ai commencé à pêcher ce poste, en fait, en octobre. L'année dernière, donc c'est un poste récent pour moi, j'ai fait la fin de saison, j'ai commencé je crois début octobre, j'ai pêché pendant un mois ce poste, et les poissons avaient bien sûr déjà frayé, donc là, elles n'ont pas encore frayé, je veux te dire qu'il va y avoir des bidons, si ça fait un poisson, la coco avec des ventes, parce que tu as vu les photos, elles sont déjà consistantes, elles n'ont pas la même morphologie, elles sont épaisses, ouais. Elles n'ont pas la même morphologie, c'est-à-dire que la rivière est tellement différente partout que même les poissons changent. La morphologie des poissons, la couleur, change suivant les secteurs. C'est vraiment... Vu que là on est proche d'un barrage, il y a beaucoup de courant, donc le poisson, c'est ce qu'il me disait, beaucoup plus puissant, plus musclé. Forcément, il y a un courant dingue, on est sur un secteur qui est... Ouais, le barrage, il est quoi? Il est à 2 km. Ouais, voilà. 2 km peut-être. C'est un spot très connu pour les kitesurf. Voilà, vous le voyez très bien sur les images au drone. C'est quelque chose de... Voilà, il y a vraiment du jus, il y a du vent. Il y a tout ce qu'il faut. Donc forcément le poisson, il s'adapte aux conditions. Quoi, hein. C'est systématique. Bon, ce que j'ai rajouté, hein, c'est que le contact et la rencontre étaient au top. Parce que vraiment, Lou, c'est un gars que comme je l'ai vu, je l'ai rencontré. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de décalage. Il n'y a pas eu de décalage. Il n'y a pas eu le gars. Ah ouais, mais dans ses vidéos, ou ah ouais, dans ses photos, ou ah ouais, tu vois. Pas de manière. Ça veut dire qu'il est arrivé. Déjà, je l'ai reconnu. Les gens qui ne les reconnaissent pas. Capté, je l'ai reconnu. Ouais. Et je l'ai reconnu dans son parler. Rien n'a changé, tu vois. Le gars, il était authentique, tu vois. Authentique. Direct, c'est passé. Et... Bon ben voilà, c'est important. Ouais. Ça veut dire que c'est le premier round. Direct. Ouais. C'est le premier round. Il y en aura d'autres. Maintenant, il est arrivé à une période difficile. C'est la pêche, hein. Comme je dis. On peut même pêcher sur la Columbia, qui est un fleuve merveilleux avec des tonnes et des tonnes de carpes. Tu peux arriver à une période qui est difficile. Preuve en est que ça reste de la pêche. Mais ça reste toujours de la pêche. Et ça reste, la pêche c'est quoi? C'est on se rencontre, on fait des amis, on fait des liens, on galère ensemble. Les gens. On a galéré gens, ensemble, on a porté le matériel en haut, en bas, déménager, partir, prendre la voiture, repartir. Ça. On a fait des trucs de ouf, on a passé des soirées, on a été au resto, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un voyage réussi. Ça, voilà. C'est exactement. Un voyage réussi. La exactement. Pêche est autre chose. Le poisson, il est sous l'eau, nous, on est sur terre. On peut pas commander. Et bon, le reste, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. C'est ça.
La foule, les gars. On allait relancer les cannes. Olive, il venait de se lever. Et la canne lui a percé dans les mains, les gars. Pas tout à fait dans les mains. Mais... Ok, il me faut les waders. Ok, je vais les chercher. Là-bas. Elle est tankée. Alors le combat, je vous raconte pas, bah, vous allez le voir. Vous avez vu ce combat de malades, des poissons qui sont pas gros comme ceux de France, mais qui combattent. Elle veut, d'ailleurs, elle veut même pas venir. Hein. Et là, voilà. Aïe, aïe, aïe. That's river madness, baby. Bah les gars, après Olivier, c'est mon tour. De toute façon, on s'est dit qu'on se partageait les départs si jamais ça se mettait à rentrer. Voilà, visiblement, on a eu raison de ne pas lâcher. Bon, poisson nettement plus petit que celui d'Olivier. Mais tout aussi joli. Encore une belle coco. M'a fait un sacré combat parce que pour la taille on sent que ouais, on sent bien les 4-5 mètres de flotte et ça fait vraiment des gros rushs. Donc les cannes sont déjà remises, Olivier s'en occupait et putain si ça pouvait continuer comme ça, je signe les gars, je signe. Allez, on va la remettre à l'eau.
Voilà les gars. Vous l'avez vu, hein, Olivier était en train de me filmer durant le combat. Et puis il a eu un autre run sur la deuxième canne. Bon, c'était un tout petit poisson, on l'a remis. De faire quoi? 2 kilos? Encore une belle torpille. Ça fait bien plaisir. En tout cas, ça a l'air d'être actif. Donc, on va remettre les cannes à la flotte. Ah! Je prends? Ah non, apparemment. Oh oh! Super poisson, ça là le fait bien plaisir, on m'a fait un putain de combat. Olivier était dans la voiture et m'a fait un coup de main pour l'épuiser parce qu'avec le vent c'est la galère. Et ça là le fait plaisir. Allez, let's go. Yo les gars, bon ben, petit bilan de cette journée, comme vous avez pu le voir, hein. Des images magnifiques, j'en ai pris plein la gueule, plein les yeux, un vent encore incroyable ici, Olive avait raison, ouais, c'est vraiment, c'est une pêche sportive ici, hein. C'est waders oblige, et ouais, faut avoir le physique quoi, parce que putain, c'est pas de la pêche de tout repos. En tout cas, il est 15h38. On est dimanche 23 juin. On vit nos dernières minutes de pêche. Hein, il reste encore un tout petit peu d'amorce. Mais bon, après, on arrête là. Olive a des choses à faire. En tout cas, je remercie Olive pour tout ça, parce que sans lui, ça n'aurait pas été possible. En tout cas, je vous encourage, ceux qui veulent venir découvrir à cette pêche, aux États-Unis, dans un milieu et un cadre unique, et ben vous rentrez en contact avec lui, de préférence sur Insta parce qu'il est plus présent sur Insta. Dasnaipa, je vous mettrai de toute façon ça dans la description de la vidéo et puis en commentaire. Mais ouais, c'est vraiment un truc énorme à vivre. Énorme. Maintenant, je peux dire que voilà, j'ai vu ce que c'était. La pêche en grand fleuve, là, il n'y a personne qui pourra me contredire au moins maintenant. Là, c'est clair et net. Je sais ce que c'est. Et j'ai vu ce que c'était le fameux River Madness dont il parlait tout le temps. Effectivement, c'est de la vraie folie, quoi. Donc, je reviendrai. C'est clair qu'il y aura un comeback, un épisode 2 ici. Ça, c'est clair et net. Parce que je veux connaître encore plus. Ça rend addict. Et quand tu vas rentrer. Ouais. Quand je vais rentrer, ça va faire mal de repêcher en France. Donc en tout cas, voilà. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et dans ce périple. Restez comme ça. Ça fait vraiment plaisir de voir tous vos messages, tous les petits messages qu'on a reçus tout au long du voyage. Ça fait vraiment plaisir. Donc, partagez ça avec tout le monde. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à la prochaine. Let's go.
ça fume, frérot. Moi, j'ai accueilli Lou Pescadou aujourd'hui. Voilà. Moi, je suis venu ici. J'ai les bouillettes là, comme ça. C'est moitié flottant, moitié plongeant. Si c'est ça sur la grande rivière là, ça peut mordre. Hein. Moi, j'ai dit à Lou, je vais faire ça. Il a attrapé poisson sous sa tête. Il ne connaît rien. Voilà. Donc, ça, c'est la technique d'aujourd'hui, le bonhomme de neige. Même s'il n'y a pas la neige, le bonhomme, il est là. Tu vois. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre ça avec le. La pâte que j'ai fait là, tu vois, c'est pas cher. Tu fais ça maintenant dans la rivière là, ça peut marcher. Il y a les poissons, les viens, vous pouvez manger ça. Tu comprends? Est-ce que tu sais? Bon, voilà. Moi, j'allais faire ça. Lui, là, il fait son film. Lui, c'est lui la vedette, quoi. Moi, je suis le gars. Moi, je connais rien. Je suis venu ici des bleds. Maintenant, je suis établi ici depuis 12 ans. Et puis, je pêche un peu. Moi, je connais les poissons depuis longtemps. C'est pas nouveau, quoi. Donc, on va voir ce qui se passe là. Moi, je crois que les cannes là, ça va démarrer. Lui, il dit que oui, en France, c'est normal, on attend comme ça. Moi, je n'ai pas l'habitude d'attendre. Hein. Si je pose les cannes là, ça part tout de suite. Qu'est-ce que tu vois? Bon, moi, j'allais faire mon business là. Je vous laisse, les gars. Allez, hey, let's go, Lopez Gadou. Alors, voilà le montage. Alors, un montage très simple, bien sûr. Comment le gars il a changé? Un montage très simple. Un bonhomme de neige, hein, voilà, de 15 mm. Oui, je sais, c'est pas très gros. Oui, je sais, vous allez dire, c'est pas très gros. Mais ici, on n'a pas de poisson blanc. Donc, c'est que de la carpe. On n'a pas vraiment à se mettre des grosses billes. Comme ça. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est le plus important. C'est-à-dire compresser cette amorce sur mon plomb. Et c'est du solide. Vous avez vu comment j'ai caressé comme ça, c'est très important. Eh oui. Et tu couperas le son, bien sûr, Lou. Tu mettras, juste la musique. Les images. C'est pas la peine. Voilà. C'est vraiment très très simple. C'est une base de flocons d'avoine. Putain, le soleil il m'a niqué tout ce bâtard. Pendant qu'Olive prend son petit thé, il y a eu la visite de, on va l'appeler comment? La musaraigne. La musaraigne. Je crois que c'est ça. Hein.